L'héros de Zamor, le mec extra stick de glace avec une épée courbe, irait-il jeter reconnu? Il n'est pas super dangereux mais peut vous congeler, augmentant vos dégâts subis de 20%. Quand il fait un bisou, c'est un souffle de glace en cône dont la brume va exploser, donc là en sprint sans hésiter. Faites jamais des attaques trop lentes contre lui puisque après une légère inspiration avec sa main gauche, ça peut exploser. Une seule roulade arrière suffit pas toujours, sprinter un peu ça vous aidera. Arrivé à grosso modo la moitié de sa vie, le boss va reculer, poser un genou à terre et glacer son arme. Profitez-en pour le bolosser ou vous soigner. Avec le buff, il devient plus agressif. Après un coup horizontal où il recule légèrement, il va foncer et passer un petit coup d'estoc sur 10-15 mètres, attention. Il peut aussi sauter et mettre un coup vertical, le timing est cohérent, il n'y a pas de piège. S'il saute, mais tourbillole en même temps, c'est pour un combo de 3 coups, rester bien en arrière. S'il prépare sa main un petit peu comme s'il faisait un bisou de glace mais qu'il prépare plus lentement son attaque, c'est un pilier de glace qu'il va invoquer à ses pieds. Donc, dans le doute, restez loin de lui, que ce soit sa deuxième attaque ou la première. Pendant qu'il est couvert par la brume, il en profitera pour quand même attaquer avec son souffle de glace ou une attaque d'hachée. Allez pas croire qu'il va rester planté là sagement. Un boss pas spécialement ardu, perso c'est juste l'explosion à bout portant qui me gouaque souvent.